Bonjour à tous, circuit numéro 2. Trois circuits, un peu différents à chaque fois. Jambes, les bras, les abdos. Une deuxième fois, une troisième fois. Et les assouplissements. Là, vous découvrez la nouvelle tenue du club. Ça vous fait peur un peu, hein? Oui, c'est normal. C'est le but. Voilà. Si vous n'arrivez pas, allez, je la retire. Vous avez besoin d'une chaise et d'un bâton pour le circuit du jour. Préparez-vous, moi je suis prêt. Donc une chaise sous la main, le bâton facultatif, si on n'a pas, vous ferez autre chose. Premier circuit, départ, les chaises, fente plus chaise. Trois exercices cumulés. Ensuite on passera aux exercices de bras. Comme d'habitude, légère flexion pour les chaises, descendre 4 temps, monter 4 temps, lentement, pousse sur les talons, fesses vers l'arrière, et 1, 2, 3, 4, montez 1, 2, 3, 4, descendez suffisamment bas, cuisse à l'horizontale, pas plus bas, mais l'horizontale, 4, et 1, 2, 3, 2, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, encore 3 fois, 2, 3, 4, le pouce bien sur les talons, les fesses vers l'arrière, le bassin, dessus le bassin vers l'avant, donne les fesses vers l'arrière progressivement, 3, 4, puis le bassin il tourne pour remonter en position de départ, dernier, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, retendez, avant-arrière, décalé, un grand pas en recul derrière, c'est vraiment important, le genou au-dessus du talon. Le ventre rentré, maintenez la position, descendre 3 temps, monter 3 temps, un grand classique, fléchir jambes arrière, 1, 2, 3, monter, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, et 2, l'expiration en remontant sur le dernier temps de la montée, 1, j'inspire 2, je souffle 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, encore 2 fois, et 1, 2, bien contracter les abdominaux, remonter, 2, 3, dernier, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, approcher inversé, grand pas, je recule derrière, je soulève le talon, je corrige la position du genou, descends suffisamment bas, genou près du sol derrière. Et 1, 2, 3. Montez. 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, et 2. Et 1, 2, 3. 1, et 3. 1, 2, 3. Descends lentement, genou près du sol. 3, et 1. 2, 3, 1, 2, 3, encore 2 fois, 2, 3, 1, 2, 3, dernier, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, rapprochez, pieds parallèles, bras le long du corps, descendre 6 temps, monter 4 temps, on fait ça 4 fois, fléchir au départ, fesses vers l'arrière, sur les fesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, sans extension complète, 4, descends, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, encore 2 fois, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, dernier, lentement la descente, 2, 3, 4, 5, et 6, et 1, 2, 3, et 4, retendez, deuxième partie, un petit travail pour les bras, deux exercices, 2,
Flexion, extension des bras, en appui sur les genoux ou en appui sur les mains. Le premier, le plus classique, donc on va avoir 45 degrés entre les bras et le tronc. N'écartez pas trop les coudes, entre les deux, pas le long du corps, pas écarté, entre les deux. Et on en fait 6. Donc bien rentrer le ventre, tendez les jambes. Si vous y arrivez, sinon on appuie sur les genoux. C'est parti, flexion 2, temps, 1, 2, montez, 3, 4, le ventre est rentré, c'est en même temps un mouvement de gainage, et 2, et 1, 2, et 3, 1, 2, et 4, 1, 2, 3, 5, et 1, 2, 3, 6, relâchement. Une trentaine de secondes, relâchez quelques instants, mobilisez les épaules, détendez-les, respirez aussi. Deuxième exercice, le pompage du cœur, donc les index et les pouces se touchent. Si c'est vraiment difficile, vous écartez de 10 cm, c'est la tolérance qu'on peut avoir, 10 cm d'écart. Les coudes vont aller vers l'extérieur, les mains près de la poitrine ici. Il faut que ça accroche sur le carrelage, voilà. Même chose, 6 fois également. Attention, faut s'accrocher. Pas facile. C'est parti. 1, 2, montez, 3, 1. Bien rentrer le ventre, ne pas creuser le dos. Et 2. J'expire au dernier temps. J'inspire, je souffle, 3. 1, 2, et 4. 1, 2, 3, 5. Et 1, 2, 3, 6. Ok, 6-6. Sur le dos, abdominaux. Youps, groupez les genoux. On va faire l'alternatif, puis la petite boule, puis l'essuie-glace. Donc, pieds parallèles. Alternatif, insistant. Coup droit, genou gauche, dans la droite. 1. Insistance, 2. Je fléchis. 3. Droite. 2. 3. À gauche, 1, insistance, 2, fléchir, 3, bien grouper le genou, 2, 3, et go, 2, 3, et à droite, 2, 3, et go, 2, 3, droit, 2, 3, et go, 2, 3, droit, 2, 3, et go, 2, 3, droit, 2, 3, encore deux fois, 2, 3, droit, 2, 3, dernier à gauche, 2, 3, dernier à droite, 2, 3, croisez cheville, la petite boule, coup droit genou gauche, montez, 1, 2, maintenir 3 temps, 2, 3, descendre, 1, et 2, à droite, 1, 2, maintenir, et 1, 2, 3, descendre, 1, 2, à gauche, le ventre est rentré, le périnée est contracté, 2, 3, 1, 2, et droite, 1, 2, et 1, 2, 3, 1, 2, et gauche, et 1, 2, 3, descendre, 1, 2, montez lentement, droite, et 1, 2, 3, 1, 2, dernier à gauche, on monte 2, on maintient 1, 2, 3, 1, 2, dernier à droite, 2, on maintient 1, 2, 3, 1, et 2, et les bras tendus latéralement, l'essuie-glace, on descend à gauche, fixez l'épaule droite, 3 temps, 1, 2, 3, montez, 1, 2, 3, et droite, 1, 2, 3, montez, 1, 2, 3, et gauche, 2, 3, 1, 2, 3, et droit, 2, 3, et 1, 2, 3, et gauche, 2, 3, 1, 2,
3 et droit, 2, 3, 1, 2, 3, dernier à gauche, 2, 3, 1, 2, 3, dernier à droite, 2, 3 et 1, 2 et 3, posez les pieds, pivotez sur le côté, voilà qui termine le premier des trois circuits. Hop, c'est un peu plus haut. Ça va, tout le monde suit? On est prêt? Deuxième circuit. Fente, chaise, fente. Fente, c'est-à-dire un devant et derrière. Écarte fort. On contracte les abdominaux. Mains aux épaules. Allonger les bras, fléchir. Jambes arrière. 1, 2, maintenir. 3, 4, insistance. 3, 4, monter. 5, 6, descendre. 1, 2, 3, 4 et 2, 1, 2, bien allonger les bras, 4 et 3, 1, 2, 3, 4 et 4, encore deux fois, 2, 3, 4 et 5, ne creusez pas le dos, pour cela contractez les abdominaux profonds, 3, 4, 6. Relâchez, inversez. Glissez un peu là derrière. Hop. On recule fort. Je contracte les abdominaux. Mains aux épaules. Fléchir. 1, 2, insistante. 3, 4, montez. 5, 6. Et 1, 2, 3, 4. Et 2. 1, 2, 3. 4 et 3, encore 3 fois, 2, bien allongé, rentrer le ventre, et 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, dernier, j'allonge bien les bras, fléchir genoux près du sol, monter, 5, 6, hop, remonter, écartez latéralement les pieds, la chaise, tendez les bras latéralement, petite flexion, deux temps pour descendre, trois insistances, deux temps pour remonter, arti, et un, deux insistances, un, deux, trois, montez, un, deux, deuxième, un, deux, et un, deux, trois, et deux, troisième, un, deux, et un, ouvrez le genou à l'extérieur, trois, et 3 et 1, 2, 1, 2, 3 et 4, 2 derniers, 2 et 1, 2, dos en extension, un peu cambré, 1, 2, dernier, 1, 2 et 1, 2, 3, 1 et 2, vous relâchez. Avant-arrière, les insistances, 8 fois. Bouge le ventre droit derrière, mets les mains à la taille. Le dessus du bassin, vers l'arrière. Si je rentre le ventre, hop, le dos s'aplatit un petit peu. Déchire le genou près du sol. Et montez, 1. Inspirez, soufflez, 2. Et 3. Et 4, c'est la moitié. Et 5. Et 6 et 7 et 8. Rapprochez et inversez. Donc, écartez fort, bien rentrer le ventre. Descendre, fléchir le genou près du sol, puis monter. 1 et 2 et 3 et 4, de l'amplitude, je descends, je monte, 5, et 6, et 7, et 8, hop, approchez, voilà pour les jambes, on se met au sol, pompage, très large, coude vers l'extérieur, on va en faire 6, donc flexion, je peux le montrer de face, donc écart,
les pieds loin derrière, mais les doigts parallèles entre eux. Vous rentrez le ventre, tendre les jambes en appui sur les genoux, serrez fort les abdominaux, fléchir, coude à l'extérieur. 1, 2, montez, 3, 1, et 1, 2, et 2, 1, 2, et 3. Je contracte bien les fessiers, le ventre est rentré, j'expire en montant. 1, 2, 3, 4, 3 derniers, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dernier, 1, 2, 3 et 4. Petite récupération, vous avez le temps de prendre la chaise. On va en faire 10, mais avec 3 modalités différentes au niveau de la chaise. D'abord, descendre un temps, monter un temps, puis descendre 2 temps, monter un temps, puis descendre 3 temps et monter 3 temps. Talon en appui ou bien pied à plat. Descendre un temps, monter un temps, 3 fois, c'est parti. Fléchir 1, monter 1. Et 2. Et 3. Descendre 2 temps. 1, 2, 1. Et 2. Et 1, 2, 3. Descends 3 temps. 1, 2, 3. Montez 3 temps. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. On en fait 4 ici. 1, 2, 3. Troisième et 1, 2, 3. 1, 2, 4. Et 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Opposé. Abdominaux à la place. 1, 2, qu'est-ce que je compte ici? 3, 4, 5 exercices. Le premier, deux talons en appui, main gauche à la tête, bras droit tendu, lombaire au sol. Très important, la rétroversion du bassin, comme pour tous les exercices, particulièrement ici, pour pouvoir soulever l'épaule droite. Épaule droite soulevée, maintenir. 1, 2, regardez le dos de la main droite. 3, entre rentrer, bien sûr. 4, 5, descendre, monter. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. L'autre côté. Soulevez l'épaule gauche, regardez le dos de la main gauche. Descendre, monter. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et maintenir en limitant la flexion au niveau de la tête, de la nuque, 2, 3, 4, 5, descend, 2 genoux groupés, croisez les chevilles, coude gauche à droite, 1, 2, descend, 3, 4, coude droit à gauche, 1, 2, descend, 3, 4, lentement, 1, 2, descend, 3, 4, à gauche, et 1, 2, 3, 4, et droite, 1, 2, 3, 4, go, 2, 3, 4, et droit, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, dernière droite, 2, 3, 4, dernier à gauche, 1, 2, 3, 4, décroisé, alternatif, 4 temps, coude gauche, genou droit, 1, tendre, 2, fléchir, 3, retour, 4, coude droit à gauche, 1, tendre, 2, fléchir, 3, retour, 4, droite, 1, et 2, et 3, et 4. Main sur genou, si c'est difficile avec le coude, placez la main. 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, dernier à droite, 1, 2, 3, il reste deux exercices après, et go, sans poser les jambes si c'est possible, 3, 4, essuie-glace 3 fois, descendre en 5 temps à gauche et 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, et droit, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, bien groupé au milieu, groupé à gauche pour aller vers le coude gauche, 4, 5, et 1, 2, 3, et droit, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, dernier à gauche, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, dernier à droite, 2, 3, 4, 5 et 1, 2 et 3. On passe sur la fesse sans poser les pieds. Hop, je tourne un peu, regardez comme ceci, montez bien les pieds. Gauche, droite, gauche, droite et groupé. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Le dernier du deuxième circuit. Il restera un petit circuit après. Et 1, 2, 3, 4, groupé. Et 1, 2. Pas hésiter ici, mais à gauche, genou droit pour grouper. 5, 1, 2. 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, dernier, 1, 2, 3, 4, hop, on pivote. Là, montez bien les pieds, ou bien main droite, genou gauche ici. On contracte pour les abdominaux, et puis droit, go, droit. Inspirez, groupez, et 1, 2, 3, 4, 2 et 1, 2, 3 et 3 et 1, 2, 3 et 4, encore deux fois, 2, 3 et 5, dernier, 1, 2, 3 et 6. Troisième circuit. Fessiers, abdominaux, fessiers, bras et puis abdominaux, ce seront des gainages. Pour les fessiers, pieds à plat, jambes fléchies, la rétroversion et le plancher pelvien bien contracté, bras le long du corps, poussez sur les talons, montez les hanches, 1, 2, 3, maintenez, 1, 2, 3, 4, 5, descendre, 1 et 2, un deuxième, montez, 1, 2, 3, maintenez, 1, 2, on va un peu plus haut, 3, bien rentrer le ventre, 4, 5 et 1, 2, 3, troisième, 1, 2, 3, maintenir et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, encore deux fois, montez, 2, 3, maintenir, 1, 2, 3, respiration libre, 5 et 1, 2, 3, dernier, 1, 2, 3, maintenir et 1, 2, 3, 4, 5, descendez, 2, 3, pivotez sur le côté, le gauche, le droit, on fera les deux, et vous tendez la jambe supérieure. On soulève l'épaule, poussez sur l'avant-bras, rentrez le ventre, groupez genoux, 1, 2, ouvrir, 3 et 4, freinez la descente, le ventre est rentré, on freine la descente de la jambe devant, la jambe n'est pas tendue, retendez, 4 et 1, 2, 3, 4, descendre, 6, retendre, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, prenez 6, 7, 8, dernier, 1, 2, et 4, prenez 6, 7, et 8, l'autre côté. C'est pas un exercice difficile celui-ci, mais pour la mobilité du bassin, il est intéressant, l'ouverture du genou vers l'extérieur là, est fort intéressant. Tendez la jambe, le corps est vraiment de profil par rapport au sol, vous soulevez l'épaule, je contracte les abdominaux, groupez 1, 2, le pied un peu devant, ouvrir, 3, 4, descend, 5, 6, rendez 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, troisième et 1, 2, inspirez, soufflez, 4, entre rentrée, descente, 6, retente, 8, inspirez 1, soufflez 2, inspirez 3, soufflez 4, puis en principe on ne prend plus d'air en contractant les abdominaux, on descend et on retend la jambe doucement, et 1, soufflez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, dernier, 1, 2, 3, 4, et 6, et 8, dernier, 1, 2, et 4, prenez 6, rendez 8, on repart sur le dos, deuxième séquence. Et vous pouvez mettre les bras derrière la tête, un peu fléchi ou un peu plus tendu si vous y arrivez. Attention, lombaire au sol, on rapproche bien les talons des fesses. Vous montez les hanches, on rentre le ventre, on contracte le périnée, montez bien les hanches, maintenez la position. 1, 2, 3, 4, un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, et encore un peu plus haut. Et 1, 2, 3, 4, descendez doucement, deuxième fois, ventre rentré, attention, c'est important, on maintient la contraction des abdominaux, le périnée aussi, vous montez, vous maintenez, 1, 2, 3, 4, un peu plus haut, 1, 2, 3, 4, dernier, plus haut, et 1, 2, 3, 4, descendez doucement, troisième et dernière fois, et rentrez le ventre, les hanches, on maintient, je pousse bien sur les talons, 1, 2, respiration, 3, soufflez, 4, montez les hanches, et 1, 2, 3, 4, un peu plus encore, et 1, 2, 3, 4, et sans déposer, pivotez sur le côté, les bras, deuxième, on refait comme au premier circuit, ceux qui l'ont fait, les différents pompages. Il y a 5 sortes différentes. La première, 45 degrés entre les bras et l'avant-bras. On l'a fait tout à l'heure. Donc ici, les index et les pouces forment un V. Largeur des épaules. On va faire 3 fois chacun des exercices. 2 temps pour descendre, 2 temps pour remonter. Le premier comme ceci de face, puis je vous montrerai de profil. Donc d'abord rentrez le ventre, reculez les genoux. Si vous restez sur les genoux, tendez les jambes. C'est parti. Fléchir. 1. 2, 3, 1, 1, 2, j'inspire, souffle, 2, 1, 2, et 3, posez les genoux, ici on ne va pas récupérer beaucoup, les doigts parallèles entre eux, on écarte un peu plus les mains, je rentre le ventre, c'est essentiel, je contracte les fessiers, c'est parti, coude à l'extérieur, 1, 90 degrés entre bras et tronc, et 1, 1, 2, 3, 2, et 1, 2, et 3. Pose les genoux, je vais les pousser parallèles entre eux pour avoir les coudes le long du corps. 0 degré entre les bras et le tronc. On a les coudes le long du corps, c'est plus difficile. 3 fois, bien rentrer le ventre entre les jambes. C'est parti, 1, 2, 3, 1, et 1, 2, 3. 2 et 1, 2 et 3. Posez, relâchez. On s'accroche pour le quatrième. On l'a fait tout à l'heure. Les pouces et les index se touchent.
faut pas glisser avec les mains, donc chaque fois, hop, un peu d'humidité. Allez Didier, on y va, on continue, on n'a pas fini. Bien rentrer devant. C'est parti, fléchis. 1, 2, 3, 1, et 1, 2, 3. Abdominaux aussi. Et 1, 2, et 3. Posez. Il en reste un, 3, 3, 3. 45 degrés à nouveau avec les bras. Descendre 3 temps, maintenir 3 temps. Monter 3 temps, 3 fois. De nouveau un V entre les pouces et les index. Lâche des épaules, bien rentrer le ventre, regardez un peu devant les mains, c'est parti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, montez, 1, 2, 3, deuxième, 1, 2, 3, maintenir, 1, 2, 3, montez, 1, 2, 3, dernier, 1, 2, 3, maintenir, 1, 2, 3, montez, 1, 2, 3, et posez, relâchez quelques instants, gainage, dernière partie, gainage, sur les avant-bras pour commencer, avant-bras, puis on va tourner un quart de tour, remettre les avant-bras, les deux, et puis quart de tour de l'autre côté, top, chrono, c'est parti, 15 secondes chaque fois, bien rentrer le ventre, contracter les fessiers, maintenir la position. Respiration, pas bloqué. 3, 2, 1, quart de tour. À droite, hop, on appuie. Là, deux pieds ou jambes fléchies. Le bras tendu à la verticale, maintenir. On a la taille, c'est bien aussi. 8, 9, hop, on appuie les avant-bras, maintenir à nouveau. Et rentrer le ventre. Faut pour aplatir le bas du dos. Encore 5 secondes, puis on passe quart de tour à gauche. 2, 1, hop! Quart de tour, je rentre le ventre aussi, je contracte les fessiers. Le bras droit tendu. Maintenir. Puis on remettra encore les deux avant-bras au sol pour 15 secondes. 3, 2, 1, hop, on appuie. Et hop! Les dernières 10 secondes. Relâchement quelques instants. 3, 2, 1. Ok, posez genoux. Faites sur les talons, tendez les bras devant. Maintenez quelques instants, allongez les bras. Maintenir. Ok, regroupez des genoux. On appuie sur les mains et sur les genoux. Pour rentrer devant d'abord, vous pouvez faire un cambrer le dos, regardez un peu devant, inspirez, soufflez, hop, regardez plus juste devant les mains pour rentrer devant, vous reculez les pieds, vous écartez un peu les pieds, top, maintiens la position, ici groupé, genou droit, coude droit, je repose, genou droit, coude gauche, et je repose, genou gauche, coude gauche, je pose, genou gauche, coude droit, et je repose, encore une fois, 1, 2, à gauche, 3, 4, genou gauche, à gauche, 2, à droite, et une dernière fois, genou droit, à droite, 2, à gauche, 2, genou gauche, à gauche, 2, et à droite, 2, posez, rendez les bras quelques instants, le dernier, on appuie sur les avant-bras, à nouveau. Tout le monde est là? Allez, dernier exercice, puis la souplesse. Vous rentrez le ventre, tendez les jambes, talons vers l'arrière, épaules vers l'avant, 1. On recule les épaules, je les avance, 2. Reculez, 3. Et 4. Et 5 et 6. On maintient encore. Levez l'avant-bras gauche. Maintenir. Poser. L'avant-bras droit. Maintenir. Poser. Avant-bras gauche et pied droit. 1, 2. Poser. Avant-bras
3, pli gauche, 2, posez, posez genoux, fais sur les talons, maintenez quelques instants, terminé. Pas tout à fait terminé, souplesse, remontez, voilà, 35 minutes de circuit, souplesse, les torsions de la colonne, classique pour la colonne vertébrale d'abord. En levant jambe droite, bras tendu latéralement, coucher dorsal. Inspiration. Épaule droite au sol, descend vers la gauche. Jambe gauche descend en premier. Jambe droite descend doucement. Ensuite, main gauche, genou droit, inspirer. Essouffler. Hop, descendre. Le genou. Épaule droite au sol. Vous pouvez fléchir le bras droit pour avoir un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Maintenir respiration. Inspirez, soufflez. Ok. Pliez jambe gauche, remontez doucement. Tendez les bras. Jambe gauche, inspirez. Épaule au sol, descendre à droite. Jambe droite d'abord, puis jambe gauche, doucement. Mettre la main sur le... Ouf. Voilà. Ah oui, vous ne savez pas, je me suis fait écraser en vélo dans un rond-point à Jean-Blou ce matin, à 8h du matin. Mamie qui allait conduire le petit. Ah, elle a écrasé ma voie arrière, voilà, nouvelle roue. Assez frais. Hop, on maintient. Tournez la tête à gauche, descend doucement. Épaule gauche au sol. Fléchir l'avant-bras gauche, un angle droit entre le bras et l'avant-bras et maintenir quelques instants. Pliez, jambe droite, pivotez sur le côté. Redressez-vous à moitié, à genoux sur les talons comme on a fait tout à l'heure. On va faire souplesse des épaules maintenant. Tendre les bras, ensuite avancer les mains de 30-40 cm, les fesses se soulèvent. Inspirez, essoufflez, descendre le visage, attention, les bras sont tendus s'il vous plaît, et le visage près du sol, donc les fesses en l'air, le ventre est rentré, dos un peu cambré, c'est normal dans cette position, mais en tendant bien les bras et en descendant, visage, les épaules vers le bas, vous assouplissez déjà les épaules, on maintient, revenez en arrière, redressez-vous, à genoux assis sur les talons, main gauche derrière le dos comme ceci, ou pas facile celui-ci, puis on va faire le bâton, allongé, bras droit, inspirez, fléchis, touchez ou approchez si vous y arrivez, attention sans cambrer le dos, donc rentrez le ventre, coude à l'extérieur ou derrière la tête, vous maintenez la position, là, coude soulevé. Trop difficile, la main derrière la nuque, on tire le coude vers l'extérieur simplement. Mais dans tous les cas, contractez les abdominaux. Relâchez, inversez. Hops. Donc, montez. Tendez. Inspirez. Fléchir, accrochez éventuellement, coude à l'extérieur ou bien la tête, maintenir la position. Là. Oui, il y a moyen de le faire creuser le dos mauvais. Je corrige, j'inspire et je contracte les abdominaux. Ah, on sent la différence. Excellent. Relâchez. Vous avez un bâton sous la main. Si vous n'avez pas de bâton sous la main, mettez la main sur le mur et vous tournez du côté gauche, main droite, les doigts vers l'arrière et puis vous tournez. Si vous avez un bâton très large, vous allongez, vous passez doucement derrière. Si vous avez pris soin de le graduer, hein, vous souvenez, graduation 0 ici près du pouce, et puis je vais aller là jusqu'à 1m10. Pas besoin de ça. 90, je passe, ok. Hop, 80, oui, très bien. Ça c'est la moyenne, 80. On ne voit pas, hein, on ne voit plus là. Hop. Et puis on peut descendre. 70. Hop. 66. Dans deux jours. Hop, voilà. Vous devez passer votre âge, hein. Les plus jeunes, accrochez-vous. Moi, je passe mon âge, pas de problème. Hop.
Voilà, deux ou trois fois sans forcer. Le bâton. Se redresser. Vous avez toujours votre chaise sous la main. Aps. Eh bien, les classiques. Avec la chaise. Grand classique. Ischio-jambier, quadriceps, abducteur. Ischio-jambier, talon en appui. Main à la taille. Redressement, inclinaison, tendre, maintenir la position, mais extension du dos. Les côtes sont soulevées. Sentez ça. Je redresse, regardez devant. Incliné, tendre, maintenir. Limite de la douleur, ça me fait pas mal. Hop, je descends un peu plus, ça fait mal. Je reviens en arrière, je plie la jambe. Maintenez les hanches face vers l'avant. Donc le pied au sol tourné vers l'avant. Également, les pieds démarrent parallèles. Arrondi, inversé. Là, vous voyez mieux, là. Talon en appui, jambes fléchies. Inspiration, redressement. Inclinaison tendre. Coup d'épaule en arrière. Ouvrir les côtes. Attention, facilement, les descend. Arrondi, mauvais. Redresser, regard plus loin devant. Vous ne devez pas regarder votre pied, sauf si vraiment vous avez une souplesse très importante. Maintien. La jambe au sol, si elle est un petit peu fléchie, c'est pas très grave. On pousse les fesses vers l'arrière. Plus progressivement, on la retend un peu plus. Mais on peut la garder fléchie pour aller vers l'antéversion du bassin, le dessus du bassin vers l'avant. Sortir les fesses. Et puis tendre éventuellement la jambe. Ok, relâchez. Talon-fesse. On connaît celui-ci. Fléchir la jambe d'appui. Inspirer, abdominaux, souffler, reculer, genoux. Important avec tout ce qu'on a fait de jambes, de cuisses là au début de premier circuit. Assouplir, maintenir la position, retrouver la longueur qu'on avait au début de la séance. Et même si on s'est gagné un peu, c'est tout bénéfice. Maintenez. Lâchez, on inverse. Donc là, on fait talon-fesse, hop, fléchir la jambe, inspiration, abdominaux, avant de reculer le genou. Concentrez-vous pour que l'exercice soit efficace. Il ne suffit pas de faire simplement la séance. Il faut faire la séance avec vraiment beaucoup d'applications, comme j'essaie de vous montrer là, pour avoir des résultats. Pas en une fois les résultats. Deux séances par semaine. Vous avez lu la lettre à Saint-Nicolas. Deux fois par semaine. En dessous de ça, on ne discute pas. Vous avez le temps, hein, vous n'avez plus de déplacement, télétravail. On n'a plus que ça à faire. Trouvez deux fois une heure sur la semaine pour pratiquer ces exercices. Plus du cardio, aller trottiner, aller marcher. Hop, c'est toujours là, je ne vous vois plus. Alors ici, abducteur classique. On a la chaise, on appuie sur la chaise. Redresser le dos, fléchir les jambes, sortir les fesses. Vous voyez, je mets le dos en extension. Reculer un peu les pieds, puis tendre, ou bien poser les coudes en appui sur la chaise, écarter un peu plus. Glisse ici, attention. Maintiens la position. Et puis on fera une petite série au sol. Maintenir, redresser. Ok, rapprochez. Quart de tour à droite. Urche. Regardez, quart de tour à droite pour faire la fente. Contracter les abdominaux. Descendre les hanches. Maintenir. Ne pas cambrer le dos. On ne voit pas grand-chose comme ça. Et comme ça, on voit mieux. Donc, rentrer le ventre. Tendre autant que possible la jambe. D'abord, descendre les hanches et puis je retends la jambe derrière. Je soulève le genou. Il était près du sol, je soulève. Hop! De l'autre côté. Inspirez, puis rentrez devant, descendre. Là. Maintenir la position. Prendre le temps de faire ces exercices. Respiration, maintenir. Ou bien retendre un peu plus.
Puis relâche un peu, j'inspire, je rentre le ventre à nouveau, je contracte les abdominaux, puis je retends un peu. Ok. Au sol pour la dernière partie. Oups. Classique, jambes fléchies. Redresser, placement des mains, incliner, puis glisser talons. On connaît le dessus du bassin vers l'avant. Donc vous êtes assis sur le bas des fesses. Le bas du dos avance. Hop, je tends. Tirez là. Placez les mains là, vous fléchir un peu les jambes. Et maintenir la position. Relâchez. Croisez la gauche, tirez sur le genou, redressez, étirement fessier, allongez le dos d'abord, main gauche derrière, inspiration, vous soufflez, rotation vers la gauche, je pivote, ramenant le genou à l'intérieur, mais soulevant les épaules, les côtes se soulèvent vers le genou, la dixième côte ici se soulève vers le genou, détassement vertébral et puis on peut faire une rotation. Si vous faites tassement et vissage de la colonne, vous écrasez les disques entre chaque vertèbre, on fait pire que bien. Ici, on essaie de détendre justement, de créer de l'espace pour que les disques entre les vertèbres se nourrissent comme une éponge qui va se gorger de liquide si on diminue la tension, la pression, la poussée dessus. Et la respiration normale. Ne vous contentez pas de maintenir la position, mais ça doit être dynamique. Vous inspirez, puis la dynamique dans l'expiration qui vous permet de tourner un peu plus. Lâchez, inversez. Croisez. Ah, ça fait mal ce genou. Genou. Soulevez les épaules. Tirez vers l'arrière. Main droite derrière, main gauche, genou droit. Inspirez, rotation. On tourne, on maintient la position. Mais surtout, allonger le dos, puis faire la torsion et maintenir. Respiration normale, inspiration. Vous soufflez, gagnez un peu de rotation encore et maintenir. Ok, vous quittez la position. Allez, ouvrez latéralement, deux jambes fléchies. Placement des mains, redressement. 1. Allonger le dos, avancer les hanches, maintenir la position, jambes fléchies, ou tendre les jambes, ou incliner le tronc, tendre les jambes. On maintient. Redressez, regardez devant. Tirez bien les épaules en arrière, le dos en extension. Vous pouvez faire ceci, hein? Incliner vers l'arrière, mais sentez le dos est en extension. Puis on revient petit à petit à la verticale, on tend, on peut incliner, on peut placer le bout des doigts, allonger et maintenir. Arrondir, quitter doucement la position. Allez, quai avant arrière. Le plus grand classique du James, 35 ans déjà. Placement des mains. Reculez les mains, reculez le genou, vous avancez le talon, redressement du dos, inspirez, vous soufflez, soit vous maintenez cette position, soit vous soulevez le genou, talon vers l'arrière, on maintient la position, regard devant, allongez le dos. Avant de tendre les jambes, il faut allonger le dos, et puis vous essayez de tendre un peu plus, et vous maintenez. Ok, posez. L'autre côté. Talon en appui. Reculez les genoux. Tendre les bras. Inspirez. Expiration, reculez les genoux. Soulevez les genoux. Talon vers l'arrière. Maintenir les épaules vers le vers l'avant. On maintient la position. Ok, posez et redressez-vous. Allez, il en reste un.
Vous le connaissez bien. Il est difficile à maîtriser, méfiez-vous. On ne le connaît jamais assez. Concentrez-vous sur chaque étape de l'exercice. Pied parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Parallèle. Bon, faites le main ou hanche. Les épaules sont un petit peu en arrière. Tirez, j'ouvre au niveau de la cage thoracique, épaules en arrière. Vous fléchissez un peu les jambes, mais on fléchit les jambes avec déjà une antéversion du bassin. Le dessus du bassin va vers l'avant. Donc les fesses partent vers l'arrière. Inspirez, pliez encore les jambes inclinées. Jusque-là, on est bon, change les mains. Creux lombaire ou pas creux lombaire? Creux lombaire. La famille est dans le coin, elle peut vérifier. Si vous allez trop bas avec les mains, arrondissez, mauvais. Dans ce cas-là, il suffit de remonter les mains, plier un peu les jambes, sortir les fesses, regarder plus loin devant. Dernière partie, inspiration. Longue expiration, rapprochez des omoplates, c'est fait. Tendre un peu plus les jambes, complètement, si votre souplesse vous le permet, sinon flexion partielle des jambes. Descendre un peu les mains, inspirer, retendre, maintenir. Sentir que le mouvement est efficace pour l'assouplissement de l'arrière des cuisses, qu'il est efficace pour tous les muscles du dos, les paravertébraux, ils travaillent, ils sont raccourcis. Et on maintient cette position. Encore 5 secondes. Fléchir, arrondir, remonter. Oups là. 50 minutes de circuit. Excellent. On continue. Je ferai le circuit numéro 3. On ne va pas arrêter. Je ne vous vois pas bien à plein de soleil. Et à bientôt. Hein, salut.